interview croisée. Et donc, je vais passer la parole à Florian qui va poser quelques questions à son frère. Florian, merci, c'est à toi. Alors Vincent, dis-nous, à l'approche de ce match, que ressens-tu pour jouer contre ton club formateur? Bah écoute, c'était pas arrivé depuis l'âge de mes 14 ans. J'ai déjà fait un match, puis ce soir c'est assez spécial parce que je vais jouer contre toi. Donc c'est pas mal d'émotions, mais et puis on verra ce que ça donne sur la glace, mais je suis quand même très content. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire au vu de ta progression au sein du RHE? Par rapport au tout début, bah écoute, l'arrivée à 14 ans, c'était assez jeune, mais c'était au bon moment pour moi. Et bah écoute, mon objectif, c'était d'intégrer l'équipe senior. Aujourd'hui, c'est le cas. Après, bah, pour jouer de plus en plus, il faut travailler encore et encore. Et cette année, j'ai pas mal de temps de jeu, plus de temps de jeu que les années précédentes. Et donc, bah, pour ma progression, je suis assez content. Peux-tu nous donner un pronostic pour le match de ce soir? Je sais pas si je peux répondre ça. T'as craqué. Ouais. Quelle est ta première approche pour le match de ce soir? Bah, je suis très content de jouer contre toi pour te montrer un peu c'est quoi le niveau. Comment on joue au hockey. Et puis ouais, comme tu dis, c'est une sensation particulière, mais c'est à la fois très excitant et j'ai hâte de te croiser sur le glaçon. Quels sont tes pronostics pour le match de ce soir? Victoire des Comètes! Les Comètes! C'est ça qui va gagner ce soir. C'est les Nézins qui vont gagner ce soir. Merci. Comètes de Meudon contre Dragons de Rouen, c'est maintenant. L'équipe des Dragons de ce soir est composée de nombreux juniors de talent, dont certains, comme Vincent Neza, évoluent déjà en Ligue Magnus. Ces Dragons sont conformes à la réputation de leur animal totem, ils crachent le feu. Cela patine donc vite et même très vite. On est habile avec le bâton et la stratégie est déjà maîtrisée. Comète accuse le coup et sont à la peine. Trois jours avant son 17e anniversaire, Mathy Barin, numéro 7, exploite un dégagement hasardeux pour mystifier la défense meudonnaise et scorer. 1-0 après 5 minutes de jeu. Toxique, les Dragons. Les Comètes sentent qu'il va falloir s'employer pour contrer ces jeunes ambitieux. La Division 2 est un formidable terrain de jeu pour montrer ce qu'ils savent faire sur des patins. Seule solution pour les Comètes, aller au charbon. Les Dragons ont juré d'allumer le feu sur la glace de l'île Lacroix. 5 minutes plus tard, la passe en retrait de l'expérimenté Alexandre Sucré touche le sweet spot de la palette d'Arthur Nadeau, 19 ans, 2-0. Les Comètes en ont vu d'autres. Mais quand même. Côté indiscipline, M. Hamon aura distribué au total 32 minutes de pénalité harmonieusement réparties entre les deux équipes. Deuxième tiers. Les Comètes ont décidé que la suprématie des Dragons a assez duré et qu'il était temps de montrer qu'une équipe du haut du classement n'y figure pas par hasard. Ça travaille bien dans les coins.
Benjamin Brault s'extirpe de la mêlée pour surprendre Raphaël Garnier du revers. 2 à 1. Crosse haute envoie Victor Durand en prison pour 2 minutes. Les Comets se saisissent de l'occasion. Dietzis Johnsons fait la différence. Le slap du natif de Riga troue la défense rouennaise. Meudon égalise 2-2. Les Comets ont pris leur vitesse de croisière. Même les jeunes dragons transfuges de la Ligue Magnus subissent clairement cette phase de jeu. Raphaël Garnier, 20 ans, le goalie rouennais, ne peut fermer l'angle complètement. Benjamin Brault double la mise. Meudon prend la tête. 3 à 2. Les Comets n'ont pas vraiment le temps de savourer ce petit plaisir, car il y a du talent et de la vivacité en face. Brieux Houet, 20 ans, sélectionné en équipe de France U18, U20, U22, dragon numéro 33 en Magnus, et pigiste occasionnel aujourd'hui, surprend Gaëtan qui doit laisser filer le puck. Caramba, Los Cometes sont rejoints au score, 3-2. Mais les Meudonnais 2017 ont un mental à toute épreuve. 54 secondes plus tard, Emmerich contrôle le lob de Dietzis Johnsons et s'offre un raid solitaire qui ne laisse aucune chance au gardien normand. Après 40 minutes de jeu, Meudon est devant 4-3. Avec 4 buts encaissés dans ce T2, les jeunes dragons ont souffert.
les Comètes ont pris une excellente habitude. Marquer dès les premières minutes du troisième tiers, histoire de mettre un coup au moral de l'adversaire. Cette fois, c'est Jimmy Paradis qui se charge de la besogne. Didi Sjansons, encore lui, sert un palais lumineux à Jimmy qui s'infiltre entre les deux derniers dragons. Le break est fait, 5 à 3. Vincent Neza, numéro 6, rôde devant le slot de Gaëtan. Mais c'est David Fritz Dressé qui réduit le score. Mais ce dernier effort ne sera pas décisif et le pronostic de l'aîné des Neza se révèle exact. Les Comètes gagnent devant des dragons qui n'ont rien lâché. 5 à 4. L'équipe avec 21 points prend le leadership de la poule devant ses poursuivants, Amnéville et Chalon en Champagne, qui ont encore un match de retard. C'est très serré en haut du classement. Le prochain match contre Évry-Viry pèsera lourd, mais moins que le suivant puisque Meudon se déplacera à Chalon en Champagne. Battus à Meudon, les Gaulois auront à cœur de gagner à domicile. Un match sous haute tension en perspective. Bonsoir à toutes. Et à tous. Et la dinde au marron, Catherine, vous aimez la dinde au marron ?